Yann Dubois, bonjour, vous êtes l'organisateur du Créole Beach. Oui. Pouvez-vous nous expliquer le concept? Donc le challenge Créole Beach est une régate en catamaran des sports qui se déroule au mois de décembre, du 16 au 20 décembre sur l'île de La Réunion. C'est, nous faisons la 4e édition. L'île de La Réunion, oui. C'est un super paysage pour faire une régate. Et ben oui, alors c'est un paysage sympathique, surtout au mois de décembre, avant Noël, en fin d'année, pour les skippers pro invités. Venir naviguer avec une eau à 29 degrés et sur un cadre tropical, ben c'est assez original pour eux. Ça change de leur grand multicoque. Quels sont les coureurs, hein? On a des personnes, des skippers comme le Monchois, le vainqueur de la Route du Rhum, Franck Camas. Yvan Bourgnon, Jourdain. Très beau plateau. Souben, ouais, on a un grand plateau de skippers. Donc tous les ans, une dizaine de grands skippers viennent se joindre à nous et naviguer. Donc, parce que le principe, c'est de faire naviguer un grand nom de la voile, un grand skipper avec un réunionnais, un amateur. D'accord. C'est donner la possibilité au dom-tom de pouvoir voir, rencontrer et naviguer avec les grands noms de la voile. D'accord. Puisqu'en fait, ils ne les connaissent. Donc, c'est le deuxième grand rendez-vous après la Route du Rhum. Pour les grands skippers. Oui, enfin, ça clôture leur année, juste après le salon nautique, partir au soleil et naviguer sur ces engins, ces catamarans de sport. Donc, c'est uniquement des Formule 18, hein. Oui, alors, pour les. Voilà. Il y a deux classements, il y a un classement Formule 18 donc pour les skippers et il y a pour les jeunes qu'on appelle le classement 16 pieds qui se court en SL16 qui est le nouveau support jeune de la Fédération Française de Voile donc qui est à ma gauche, donc qui est distribué par Sirena. Ok, vous pouvez nous rappeler les dates? Du 16 au 20 décembre.